Yo les potes, c'est Gaël de Toulon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Pour moi, ça va super. Petite vidéo pour la nouvelle équipe de la semaine que vous allez voir par là. Alors, on va aller dessus. Alors, du coup, c'est ça là, voilà, avec Hazard, Pogba, N'Golan. Bon, elle est complètement ouf. Je pense que c'est la meilleure équipe de la semaine depuis le début du jeu, clairement, parce que rien que Pogba va coûter une blinde. Hazard, c'est pareil, et N'Golan, c'est des joueurs qui ont une grosse cote. Donc les potes, il est 19h04, quand je fais la vidéo, j'aime bien faire un pack opening d'entrée, en fait, dès que l'équipe de la semaine sort, enfin, dès que l'équipe de la semaine est disponible, plutôt, tout simplement, parce que c'est là qu'on peut, éventuellement, si on a la chance de choper des gros joueurs, les revendre le plus cher. Donc, on va essayer, en général, ça ne me réussit pas, hein, je vous rassure. Mais en tout cas, les potes, petit pouce bleu pour me soutenir et croiser le doigt pour moi, et on est parti. On est parti de suite, franchement. Ce serait génial de choper quelques animations un petit peu sympas. Et éventuellement un petit boost. Alors, qu'est-ce qu'on va choper? Papadopoulos. Alors là, c'est vraiment pourri. 79 de général, c'est vraiment pourri. Franchement, les potes, ça commence petitement. Alors, on chope pas mal de joueurs, ça c'est cool. Ça servira pour les défis de création d'équipe, donc c'est pas mal. Lui, on va le dégager, voilà, Baradji, allez, ça part en vente rapide. Alors, il nous reste 4 packs, ça c'est les packs des grosses affiches que j'avais gardées. On va se faire celui-là, que des joueurs avec 3 rares. Peut-être quelque chose de sympa, peut-être. C'est les packs sympas normalement, pas d'animation pour le deuxième pack non plus. Alors, un Allemand, MDC, qu'est-ce que ça va être, Hector? Ouais, général de 80, bon, ça servira pas à grand-chose, hein, pareil. On les passera, ouais. Oh, Malcolm, par contre, pas mal. Il a une carte un peu pourrie, mais en vrai, c'est un bon joueur. Bon, franchement, les potes, ça fait masse joueurs qui serviront pas à grand-chose. On va pas se mentir. On a le petit Ben Taleb que j'ai passé vite, mais qui se vend plutôt pas mal. Il a une bonne cote sur le marché de l'occasion. Il a une bonne petite cote. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a un pack hybride avec 6 rares, mais c'est des joueurs or et argent. On peut se faire ça, ouais, le pack... Je crois que c'est le pack à 45K, les potes, si je dis pas de conneries sur celui-là. Alors, est-ce qu'on va choper quelque chose de sympa ou pas dedans? Pas d'animation, donc a priori, il n'y aura pas de gros truc. À moins de choper un Gabriel Jesus. Alors, c'est mal barré. Galatasaray. Belanda. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est pas génial. Hein. Ça coûte pas très très cher. C'est vraiment moyen. Alors. Putain, choper 6 joueurs hors rares et choper ça, ça fait de la peine. Franchement, ça fait vraiment de la peine. Les argents, ils ont l'air tout pété. Bon, alors on stocke tout ça, on perd pas de temps. On s'en fout. Il nous reste 2 packs, entre guillemets, gratuits. Donc, c'est des Jumbo Premium Or. Et après, on partira sur les points FIFA. Je pense que je vais cramer au moins 3000, voire 4000 points. Tant qu'on chope pas du lourd. Putain, toujours pas d'animation. Le pack opening, il démarre à 2 à l'heure. Alors, milieu gauche, Colombien, Castillo. Ouais, bah, c'est de la merde. 75 de général. 75 de gêne, c'est vraiment pas ouf. Le petit Hernandez du Real, Klopp, qu'on va revendre. Clairement, on va pas s'embêter avec ça, les coachs, on s'en fout. Alors, DG d'LG, c'est pourri. Architecte, ah, c'est pas terrible, les potes. On pourrait choper des styles un peu mieux. Tout ça, on va l'envoyer sur la liste des transferts. Enfin, ouais, tout ça. Surtout Léor, et lui, il va partir en vente rapide. Bon, on va pas commencer à stocker des argents en double. Allez, le dernier gratuit, les potes. Putain, une anime, ce serait quand même pas trop demandé. Une petite animation, s'il vous plaît. Et une animation. Putain, elle est là. Allez, envoie-moi un truc sympa. Algérien, MD, Mahrez. Riyad Mahrez. Putain, je le chope de longue. Très bon joueur. Très, très bon joueur, mais il coûte pas un franc. Il coûte vraiment pas cher. Je crois qu'il doit coûter 1000-2003. C'est pas avec Mahrez qu'on va devenir riche, mais bon. C'est déjà mieux de choper au moins une petite animation, ça fait plaisir. Alors, la carte canonnier, ça coûte rien. Alors, on va stocker tout ça. Le petit... Oh, Bakayoko, c'est bon ça! Il était caché! Le frérot, il était caché. Alors lui, il a dû prendre un petit coup, mais il vaut encore un petit peu. Ah ouais, ça fait plaisir, putain! Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour choper... Ah, ça fait plaisir, j'ai déjà un invendable. Mais voilà, on garde l'invendable. Mahrez, il part aussi sur la liste des transferts. Eh ben putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il a fallu ouvrir 5 packs pour commencer à choper des trucs qui valent au moins 12-13K. Il était temps les potes, ça m'a remotivé. Ça m'a remotivé, on était en train de s'endormir. On n'oublie pas qu'il y a quand même du Hazard et du Pogba à choper les potes. Ça sera pas gagné, mais on peut quand même choper du très très lourd. Allez,
Allez, allez, on veut du lourd. On veut du lourd. Est-ce qu'il y a un petit truc caché ou pas? Oh là là, or non rare. Bon, on va y aller rapide hein, quand il n'y a pas d'or rare. Ça sert à rien de perdre du temps. Alors. Il y a un pack contrat. Putain, j'allais dire c'est cool. Non, un pack contrat. On s'en fout des contrats. J'en ai à l'appel. Franchement, j'en ai vraiment beaucoup. Allez, ça, on vend rapide. Le pack contrat, on l'ouvrira à la fin. De toute façon, on s'en fout. Le pack contrat, il n'y a absolument rien d'excitant. C'est mieux que rien. Mais honnêtement, moi, je veux du gros joueur, là. Je veux du gros joueur boost. Tranquille, ou alors, or rare, qu'est-ce que ça peut être? Défenseur central suédois, Johnson. C'est pourri. C'est pourri complet. Alors. Putain, décidément, 1000 crédits. C'est pas mal aussi. C'est pas génial non plus. Mais bon, on prend, les potes, si on a 1000 crédits à chaque fois, ou un pack à chaque fois, cadeau. On prend avec plaisir, allez. Putain, je veux des animations. On est à une seule animation, les potes. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment... Quitte à paquer les 7000 points FIFA, mais je veux des animations. J'en veux. Alors, or rare, qu'est-ce que ça va être de beau? Ça va être un défenseur central de Schalke, Nastasic. Il a une carte intéressante. Il n'est pas trop mal. Mais nous, on veut revendre du joueur. Donc du coup, ça nous rapportera rien. Farfan non plus. Alors, on stocke tout ça. Ça, on bazarde. Allez. Putain, mais tu vas me donner au moins un petit boost. Au moins un petit boost. Un truc à 80 de général, qu'on puisse s'en servir. Oh, putain. C'est la PLS. Allez, on passe vite. On passe vite, celui-là. Alors. Darida. Putain. Oh, toujours cette carte DLG-DG. Oh, elle coûte pas un franc, celle-là. Je la chope à toutes les sauces. Le petit joueur. Allez, ça en bazarde. On envoie les joueurs sur les transferts. On fera le tri plus tard. Allez. Vous remarquerez que j'y crois toujours. Hein. J'y crois toujours. Je suis un grand rêveur. Mais franchement, on n'est pas gâté. Hein. Ça fait deux packs opening d'affilée où on n'est vraiment pas gâté. J'ai eu du lourd la fois d'avant avec De Bruyne qui coûtait, Kevin De Bruyne qui coûtait quasiment 300K. Donc ça, c'était génial. Hein. Franchement, là, c'est clair que j'ai eu un pack opening à... Je crois que je l'ai mis ouais, le week-end dernier, qui était hallucinant, parce qu'un joueur à 300K, c'est vraiment mon record. Mais là, depuis, on paye. Hein. On a eu une fois de la chance. On a l'impression que c'est fini. Allez, il nous reste encore 6100 points. On est plutôt large. On a encore pas mal. Toujours pas d'animation. Or non rare. Allez, on passe vite. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là de beau? Ouais. Putain, l'Égyptien d'Arsenal, je l'avais même pas vu lui. Je l'avais jamais chopé. Oh, la carte MOC, MC, elle est pas mal, celle-là, pour une fois. Allez, on envoie tout au club. Et ça, lui, peut-être qu'il coûte un petit peu. Je ferai le tri tout à l'heure, mais vu qu'il y a les défis sur les créations d'équipes portugaises, je fais assez gaffe sur ça. Ça peut coûter vite 1000 crédits. Donc, je fais un petit peu attention. J'ai fait des erreurs par le passé, d'ailleurs. Je me suis fait insulter dans une vidéo où j'ai vendu un joueur qui coûtait 2000 crédits en immédiat. Donc, je ne ferai plus cette erreur. Putain, or non rare, les potes, vous déconnez. Allez. Allez. Hernandez, canonnier. On en chope plusieurs. Le maillot du PSG. Ouais, bof. Pas terrible. Vraiment pas terrible. Ça se revend, vous croyez ça? Franchement, le maillot de l'Argentine... Ça coûte rien, ça, non? 350-200, ok, ouais, d'accord. Autant vous dire que ça coûte rien. Putain, des fois, on se demande, allez, pourquoi pas, peut-être qu'il y a des maillots qui coûtent cher, on a fait une vidéo dessus en achat-revente. Mais ça marche un petit peu moins bien, d'ailleurs. La tech maillot, elle marche carrément moins bien. Toujours pas d'animation dans les packs à 150 points FIFA, les potes, c'est quand même déconné. Allez, un petit buteur de Montpellier, Essessio, buteur ivoirien. Ouais, c'est pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Le maillot de Liverpool aussi, il a une vraie cote, on le vendra plus tard. Allez, putain, t'entangueule, chatte un petit peu, là, un petit peu de chance, là. Un petit peu de chance. Ah, c'est... Allez, on peut choper du lourd, pas d'animation, encore une fois, décidément, putain, ça me réussit pas le mercredi soir. Défenseur gauche argentin, on va choper de la daube, 79 de général. Bon, on renforce le club en joueur, ça c'est cool. Par contre, c'est vraiment pas ouf sur la qualité du joueur. Sorrentino, lui, il part sur la liste. Et le reste, on vend. Allez, les potes, je pense que je vais packer encore pas mal. On va packer encore pas mal parce que franchement, je peux pas me contenter de ça. Là, clairement, c'est juste pas possible. On est en plein Black Friday, il me faut du crédit pour faire une team de fou.
Allez, Aurard, qu'est-ce que ça va être? Un Espagnol milieu droit du Betis Séville, Joaquin. Ouais, il a morflé. Il a morflé le Real Betis, là, notre pauvre ami Redmond de Southampton. Ouais, bah c'est pas terrible, hein. Franchement. Mais encore, il a une bonne carte. Putain, c'est... Bon, il n'y a pas un doublon sur celui-là. Allez, les potes, on est en train de s'endormir, là. On est en train de s'endormir à force de pas avoir d'animation, là. Animation, putain, animation, enfin. Allez, un petit truc sympa. Un Italien défense centrale de la Juve. Oh non, putain, Barzagli, c'est déjà très, très bien. Mais je me suis mis à rêver de Chiellini. Mais Barzagli, 85 de général, c'est déjà très, très bien. Je crois que ça a une petite cote sympa. On va espérer, en tout cas. Je n'ai jamais paqué, pour être honnête, donc j'ai aucune idée de sa valeur. Ah ouais, 10K, putain, 12K. 10K, bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, on va pas râler à chaque fois. C'est déjà mieux. Ah ouais, un petit Chiellini, là, ça aurait fait grave mes affaires. Ça coûte au moins 100K. Allez, on a Barzagli, Bakayoko. Il y a ces deux petits joueurs qui valent dans les 10-12K. On leur mettra des contrats. On les fera partir en tech avion avec un contrat, un style, les potes. Mais un petit peu plus cher. Un Ivoirien, défenseur droit. Serge Aurier. C'est pareil, ça se vend un petit peu. Ça va plus coûter grand-chose, mais... Mais Serge Aurier, ça doit se vendre un petit peu quand même, ou pas? 2-3 000? Ouais, doit être 2 000, ouais. Bon, c'est déjà pas mal. On va le virer sur la liste. Alors, AtBU, on va la garder. Je crois que ça coûte plus grand-chose cette année. Il y a eu une période où ça coûtait un petit peu, ça, les cartes comme ça. AtBU, mais elles ont un petit peu baissé. Allez, on est parti encore sur un nouveau pack. Ouais, je pense qu'on fera... On va descendre à encore 1 000 points faciles. Encore 1 000 points faciles. Allez. Allez. Un petit truc caché, ce sera pas dans celui-là. Alors, on a débloqué un pack de prêts. On prend tout, on ouvrira à la fin. Le style gladiateur, c'est pas génial, mais bon, pourquoi pas. Alors, ça, on va le bazarder. Et alors, est-ce qu'on n'irait pas ouvrir le pack de prêts, là, les potes? Qu'est-ce que ça va donner? À voir. Est-ce qu'on a un truc sympa? Suspense, un petit hasard en prêt. Non, c'est un quoi, ça? C'est de la merde. Un Mexicain milieu droit, de Porto. Oh là là, le truc, il sert à rien. Le truc, il sert à rien, les potes. Franchement, le truc, il sert à rien. Alors, on va stocker tout ça, quand même. Désolé pour les petits messages, les potes. Hein. J'ai accepté pas mal de monde, et du coup, je reçois pas mal de messages. Oh, le poteau Sabri! Grosse bise à toi. C'est un poteau. Les contrats variés... Qu'est-ce que ça va être? De la daube, on les stocke quand même. Je suis un grand rêveur, à chaque fois je me dis on peut peut-être avoir un truc lourd. Allez, on pack encore 1050 points FIFA les potes, et après on arrêtera le massacre, parce que clairement, deux joueurs sympas sur un pack opening, c'est pas terrible. Hein. Franchement, c'est vraiment pas top. Notre petit Bakayoko et Barzagli, ça fait un petit peu léger. Ouais, Skartel. Ouais, il était à Liverpool, je crois. Lui, il était pas mauvais, mais c'est... Enfin, il a encore une carte à peu près correcte, même si c'est pas très rapide. Mais c'est pareil, ça coûtera pas grand-chose. Lui, il part en rapide. Allez, les potes. Il reste encore 6 packs à 150 points FIFA. On veut encore au moins un truc qui coûte au moins 10-15K. C'est le minimum du minimum du minimum. Alors, pas sur celui-là. Pas sur celui-là. Putain, c'est vraiment... C'est vraiment pourri, Lennon aussi. Il allait super vite à l'époque. Il va beaucoup moins vite. Allez, on a encore 5 packs. Et après, malheureusement, on arrêtera. Et je serai déçu, hein, parce que ne pas choper un seul boost, franchement, c'est vraiment pas terrible. Alors, toujours rien dedans. Or non rare, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? At-MOC. Deux cartes At-MOC, ça c'est rare. C'est plutôt rare. Lui, il va partir sur la liste de transfert. Et ça, on le bazarde. Le maillot d'Australie, on s'en fout total. Putain, les potes, c'est vraiment compliqué là-haut. Putain, je sais même pas, on aura eu quoi? 3 animations dans le pack opening? 2 ou 3? Oh là là, putain. Putain, des packs à 7500, c'est quand même pas ouf. Hein. C'est quand même pas ouf. Un Portugais défenseur droit, de Porto. Pereira, alors lui par contre il coûte des crédits vu qu'il y a le défi sur Porto. Il y a un pack à 45K à récupérer en plus, donc il est intéressant ce défi. Donc lui, je vais le revendre. Alors lui, il joue en Bundesliga.
Ça, on encaisse. 1500, on prend toujours, c'est cool. Voilà, on stocke tout ça. Non, lui, remarquez, on va l'envoyer aussi sur la liste des transferts, comme ça. Allez, il nous reste 3 packs, les potes. 3 plaques, 3 packs. Et après, ce sera good. Allez, 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 3 packs, 3 packs, 3 packs. Putain, donnez-moi au moins une anime. Pas d'anime sur celui-là. Putain, c'est dans les deux derniers. Dans les deux derniers, on va choper un truc lourd. J'en suis sûr, les potes, on va sauver le pack opening. En tout cas, j'espère. Alors là, c'est pourri. AdBU, encore une carte comme ça. Changement de poste. Allez, 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 deux packs. Allez, allez, un petit truc. Un petit truc. Un petit truc, s'il vous plaît. Putain, mais c'est pas possible. Allez, je passe vite. Je passe vite. Je passe vite, on n'a plus le temps. Putain. AdBU, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ces cartes, là? Qu'est-ce qu'ils ont avec ça? Lui, pareil, il se revend, lui. Lui, il se revend, le petit entraîneur allemand. Ça, le Stadion Hanghuk a dégagé. Et alors, un dernier pack, parce que franchement, c'est la PLS. C'est même pas amusant, en fait, de packer quand on chope rien. Parce que franchement, mon petit Barzagli et mon petit Bakayoko, c'est vraiment... Putain, c'est pourri! Oh là là, les potes, on aura vraiment pas eu de réussite. Dites-moi si vous avez plus de réussite de votre côté, rassurez-moi. Que vous... Enfin, j'espère pour vous que vous avez plus de réussite que ça. Parce que sinon, c'est vraiment... C'est vraiment triste. MDC, MC, ça coûte quoi, ça? Ça coûte un peu. Ouais, ça coûte un peu. Ça, c'est pas mal. Pareil, on va la mettre sur la liste de transfert. On va tout stocker, les potes. Et on va arrêter le pack opening. Là, de toute façon, j'ai mes filles qui commencent à s'impatienter. Les potes, franchement, c'est la PLS. C'est la déception. J'espère que vous aurez plus de réussite que moi, en tout cas. J'arrête le pack opening. C'est la PLS. Je vous fais des grosses bisous à tous. Passez une bonne soirée. À très bientôt. Ciao, ciao.